Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, d'autant plus que cette vidéo vous l'attendez depuis très longtemps, même trop longtemps. On arrête le suspense, vous avez attendu suffisamment. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à cette Origine Axom 350 version 2. La marque Origine n'est plus à présenter sur notre chaîne Normandie Cycling. Il y a déjà eu quelques tests qui ont été réalisés. La première version du Axom 350 où Cédric avait réalisé, si je me souviens bien, une série de 3 ou 4 vidéos. L'Origine RS avec sa couleur particulière qui était un vert Kawasaki. Je suis sûr que vous l'avez tous vu, remarqué. Mais là aujourd'hui on va vraiment parler de l'évolution du 350 que j'ai entre les jambes. Alors j'ai ce vélo depuis plus d'un an maintenant. J'ai réalisé un petit peu plus de 6000 km avec. Donc je peux vraiment vous dire toutes les sensations et tout ce que j'ai aimé et moins aimé sur ce vélo. Parce qu'un test de 6000 km, c'est assez rare. On a la chance avec Origine, où ils souhaitent développer des tests longue durée aussi pour améliorer leur vélo. Pour la petite histoire, on n'a pas pu vous diffuser de vidéos, de photos, car c'était très confidentiel. Mais Cédric et moi avons participé à l'aboutissement des essais et on a participé complètement à l'amélioration de ce cadre. Alors voilà comment s'est passé un petit peu les essais que nous avons réalisés en mode camouflage. C'était des vélos noirs, sans quoi que ce soit. Nous-mêmes, on ne savait pas quel vélo on avait entre les jambes. Et du coup, on devait juger seulement sur le comportement. Donc, il y avait différentes fibres, différents drapages. Et du coup, grâce à ça, Origine nous a même remercié des améliorations qu'ils ont pu faire grâce à nos différentes sorties. Alors, ce vélo, ce cadre plus précisément, c'est le premier. J'ai la chance de rouler avec le premier 350 dans une version pré-série. Donc, il n'y a rien qui change sur le comportement. Il y a juste de la déco qui a été améliorée. Pour les plus experts d'entre vous, vous aurez remarqué les différentes décos qui ont changé, mais il n'y a que ça qui change. Pour ceux qui suivent l'actualité Normandie Cycling, la marque Origine n'est plus à présenter. Par contre, un petit rappel pour ceux qui sont un petit peu moins assidus et qui découvrent la chaîne aujourd'hui, le concept Origine, il est simple. Origine vend ses vélos sur Internet. On va dire que le plus gros concurrent d'Origine, c'est Canyon. Voilà, quand on a dit Canyon, on a tout dit. Alors, à la différence quand même de Canyon, c'est que Origine est dans la personnalisation vraiment optimisée à un coût vraiment dérisoire. Et ça, c'est un gros point fort sur le marché. Après plus de 6000 km au guidon de ce vélo, je peux vous donner mon verdict. Donc, j'aime ce vélo par son prix, autour de 3 500 € dans cette configuration. Attention, les équipements qu'il y a autour, c'est pas du basique. Shimano Ultegra, des accessoires Richer, qu'on en reparlera tout à l'heure. Une selle Italia, c'est des marques que vous connaissez tous. Et attention, j'ai oublié les roues Mavic, carbone, en tubeless. On a un vélo à 3 500 €. J'ai rajouté des pédales perso Ultegra qui vont bien avec le groupe. Voilà, on a un pack complet 3 500 €. Ça, j'approuve. C'est aussi l'intérêt du concept d'Origine, c'est de proposer des prix très agressifs. Rapport qualité-prix sans intermédiaire. C'est ça la force. Il n'y a pas de secret. Le deuxième j'aime, c'est bien sûr la personnalisation du vélo. Aujourd'hui, on a un configurateur Origine qui est presque l'un des meilleurs du marché. Il ne faut pas se le cacher. Vous pouvez comparer avec tous les configurateurs qu'il existe sur les marchands de vélos, sur les revendeurs de vélos. C'est le meilleur. C'est l'un des meilleurs. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir une personnalisation complète du vélo et aussi le plus d'Origine, c'est une personnalisation de la couleur. Là, j'ai un rouge flamme, biton avec du noir. C'est devenu le best-seller de la marque. Ils vendent énormément de vélos avec ce biton-là, mais vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. De la Jaguar, de la Ferrari,
tout ce que vous voulez. Et pour le prix qui est dérisoire, c'est presque cadeau, hein, 30 euros. Donc oui, vous l'avez compris, le maître mot de chez Origine, c'est la personnalisation. Donc là, je ne vais pas forcément vous parler de la déco actuelle, parce que ce n'est pas la déco finale, elle est même encore plus belle et encore mieux finie. Mais voilà, Origine met un point d'honneur à que vous ayez un vélo à votre goût. Le troisième j'aime, alors vous inquiétez pas, il y aura des j'aime pas aussi. Le troisième j'aime, c'est le comportement. Et justement, le comportement, il est dans les deux catégories pour moi. Dans le j'aime, c'est que la première fois que j'ai roulé avec ce vélo, à l'hiver de l'eau, il y avait à peu près 150 km, même un peu plus. Bon, c'était Vando, je vous l'accorde. Mais j'ai pris un plaisir fou avec ce vélo, alors que j'avais jamais roulé dessus. Aucun réglage à l'arrache comme ça, dans une chambre d'hôtel avec la tige de sel remontée presque au pif. J'ai eu aucune douleur, j'ai pris un plaisir énorme. C'était une sortie vraiment dynamique, mais sans vraiment de contraintes avec des bosses et tout ça. Mais en gros, ce 350, j'aime son confort. Alors pourquoi j'aime moins le 350? Car dans la relance, comme vous le savez, moi je ne suis pas un grimpeur. Et je trouve que pour moi, il est assez compliqué de l'emmener en danseuse dans une côte où je vais en baver. Alors en position assise, le rendement est vraiment top. Mais dès que je me mets en danseuse, je trouve que voilà, il n'a pas le punch qui pourrait m'apporter alors que moi je suis pas du tout grimpeur quoi. Donc c'est ça le gros point pour moi qui fait que 350 est moins dynamique que le RS. Alors pour ce dernier j'aime, c'est un j'aime global sur la marque Origine. C'est pas spécialement pour ce vélo là parce que c'est pour tous les vélos qui vendent. C'est que derrière leur concept, il y a une équipe qui souhaite vous accompagner et vous conseiller dans le choix de votre vélo. Alors le gros plus, c'est que oui, ils vendent sur internet, vous pouvez les appeler. Ils peuvent même vous inviter à venir découvrir leur usine et à vous conseiller soit sur des portes ouvertes ou soit sur un rendez-vous et voir en direct à quoi peut ressembler votre vélo. Alors rappelez-vous, on avait fait un jeu, un grand jeu, pour faire gagner un cadre Origine. Et bah oui, ce cadre, c'était un vrai jeu. Le gagnant est venu chercher son vélo le jour des portes ouvertes Origine, qui était fin septembre. Et nous avons eu la chance d'être invités aussi pour lui remettre le vélo. Et nous en avons profité pour faire une vidéo aussi sur le concept global Origine et aussi qu'il y a des hommes derrière tout ce travail. Donc oui, Origine, c'est une marque française, comme l'indique le petit drapeau français sur le hauban arrière. Seule la production n'est pas faite en France, mais ça, Origine est complètement transparent sur le sujet. C'est comme les autres gros du marché, les cadres sont produits en Asie. Mais tout le reste, la conception, le design, et comme aussi l'indique notre vidéo dans l'usine Origine, toutes les étapes sont réalisées dans l'usine Origine et donc en France. Alors après tous ces j'aime, évidemment qu'il y a des j'aime pas. Et je vais commencer par un gros, énorme j'aime pas. J'aime pas ça. Le ruban de cintre, c'est complètement catastrophique. Alors au toucher, tout ça, première bonne impression. Alors je mets pas de gants, je sais, c'est pas bien. Je montre pas le bon exemple, mais j'y arrive pas. Avec les gants, je me sens pas à l'aise. Tant pis pour moi, on va dire. Et du coup, j'ai un contact encore plus direct avec un ruban de cintre. Donc au toucher, elle est vraiment bonne. Par contre, à l'usure, c'est qu'au bout de 1000, 1500 km, on commence à avoir des traces d'usure prématurée. Même sur le côté, c'est déchiré. J'ai jamais vu ça, moi, avec un ruban de cintre. Et pourtant, ça dure assez longtemps. Et pour la petite expérience, c'est la première fois qu'un ruban de cintre me salit les mains à sec. J'ai jamais vu ça. Je trouve un peu dommage sur un vélo de cette qualité d'avoir un ruban de cintre qui se désintègre complètement
Là, ça bouge plus depuis quelques temps, mais c'est déjà trop tard, quoi. J'ai attendu cette vidéo, mais à la fin de la vidéo, je change ce ruban de sainte. Et dites-moi en commentaire, d'ailleurs, quel ruban de sainte vous me conseillez. Et quelle couleur, d'ailleurs. Peut-être que le noir n'est pas le plus approprié. Deuxième, j'aime pas. Alors, il est beaucoup moins violent que le premier, mais c'est juste que c'est toujours embêtant d'abîmer du matériel. Et je l'avais déjà vu avec la marque Richter, sur la tige de sel. J'avais mis une sacoche, et au bout de deux sorties, la peinture, elle était partie. Donc, ça fait toujours moche de voir une tige de sel argentée au milieu du noir. Pareil avec cette marque-là. Dès qu'il y a une zone de contact, il y a une zone d'usure. Donc là, sur le cintre, bah, j'ai bien évidemment mis, comme tous, vous mettez tous, un support qui soit déporté ou non. Là, j'enlève mon support. J'ai une petite marque argentée, jolie, hein, mais qui a abîmé le guidon, quoi. Donc voilà, cette marque Richter, elle est de qualité, elle est solide, elle est performante. Mais par contre, il y a quand même un petit souci sur le revêtement. C'est franchement dommage. Alors, troisième, j'aime pas. Attention, j'assassine pas les périphériques qu'il y a sur le vélo, mais on va encore une fois parler d'un périphérique qui est important en plus, très important, c'est la selle. Vous allez me dire, selle Italia, c'est du costaud. Alors, origine, mais presque systématiquement des selles Italia. Donc maintenant, on les connaît par cœur et on peut dire que c'est pas un défaut de série, c'est vraiment un souci. Là, aujourd'hui, je suis en train de vous parler, bah, elle bouge, je la sens bouger, le rail, il bouge. Alors, je sais pas pourquoi, au bout de 5000 km, bah, pour moi, elle est foutue. Le modèle dont je vous parle de selle, c'est le modèle Selle Italia SLR. Donc, il n'y a pas de souci, elle est confortable. Au début, c'est une crème. Mais moi, je trouve que ça s'use très, très, très vite. On va me dire, peut-être que vous, les selles, c'est tous les 6 mois. Moi, je pense pas qu'on change les selles tous les 6 mois, quoi. Donc, déjà, sur le Axiom RS, on avait fait plus de 10 000 km dessus. Bon, elle était rincée, la selle. C'était fini. Hein. Bon, à la poubelle. J'exagère presque pas. Et là, bah voilà, au bout de 5-6 000 km, on commence à voir les premiers prémices de la selle. Alors, c'est désagréable, une selle qui grince. On peut mettre de la graisse, on peut... Elle est foutue pour moi. Alors, normalement, avec les pneus Mavic, c'est « j'aime pas ». Et là, on a du pneu Mavic tubeless. Ah bah, j'aime un peu mieux. J'ai eu aucun souci. Alors, le tubeless, c'est nouveau. On va tous galérer, vous allez tous galérer quand vous allez avoir du tubeless parce que c'est l'inconnu, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut savoir l'appréhender et le monter surtout. Alors oui, le tubeless a un bon rendement confort. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que il faut pas mettre énormément de pression, donc ça perd peut-être un peu en rendement, mais c'est largement compensé par le confort. Et franchement, là j'approuve le système tubeless Mavic, que j'approuve peut-être pas les pneus Mavic, mais sur le tubeless, ça je valide. Alors vous allez me dire, oh là là, j'achèterai jamais un Origine parce que c'est la catastrophe en périphérique, en tout ça. Non, attention, Origine a pris en considération tout ça. C'est pas une surprise pour eux. Et vous allez voir que courant 2020, il va y avoir une petite révolution chez Origine pour éviter tout ça. Je vous en dis pas plus, mais vous aurez certainement une belle surprise. On le voit bien dans son comportement, ce vélo est destiné à l'endurance. Il privilégie le confort. Donc clairement pour la pratique cyclo. Malgré tout ce que j'ai dit depuis le début, j'aime, j'aime pas, j'en pense que du bien de ce vélo. Et j'aimerais justement l'améliorer et effacer tous les petits défauts qu'il y a autour de ça. Alors moi je tire mon chapeau à la marque Origine, car oui, il y a des défauts. J'ai parlé des j'aime pas. Mais c'est grâce aussi aux tests très longue durée. C'est la première fois qu'avec une marque, on a l'occasion de tester sur des mois et des mois, voire une année complète. Donc évidemment, il y a de l'usure. Il y a des choses qu'on ne voit pas quand on teste un vélo un mois. C'est à peu près la moyenne hein, sur Normandie Cycling. Un mois et demi. Donc là, on est vraiment sur un test très longue durée d'utilisateur classique. Donc tout ce qui a été relevé là, on va dire que c'est ni plus ni moins que de l'usure classique. La marque Origine, elle se développe de plus en plus et on le voit. Bah, ils sont sur tous les marchés, les nouveaux vélos Gravel, Adis, ils sont sur tous les bons marchés, ça veut dire que leur concept fonctionne
et ils proposent la gamme la plus étendue parce qu'il y a beaucoup de clients. Et même maintenant en Normandie, on en voit quelques-uns des vélos Origine et partout en France. À tous les utilisateurs de la marque Origine, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce vélo, de tout ce qu'il y a autour d'Origine. On est vraiment curieux de le savoir. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu et moi je vous dis à plus tard. Ciao !